Regiones. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Burqa blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burqa. Désolée, Nastaran. Merci. Tu viens avec nous, Atik, ou tu restes à moisir dans tes cachots? J'ai mal à la jambe, Kassim. Il fait frais ici. J'irai chez Colson plus tard. Comme tu veux. Tu vas sécher sur place, mon frère. Hé, hey, roule pas tes manches au-dessus du coude. Ah!
les êtres. On choisit de patauger dans la fange comme des porcs. Pourtant, ils ont eu connaissance du message, ont appris les méfaits des tentations et n'ont pas développé suffisamment de foi pour leur résister. Des êtres misérables, aveugles et futiles ont préféré un instant de débauche aussi éphémère que dérisoire aux jardins éternels. Que leur dire? Sinon notre chagrin et notre indignation. Cette femme n'ignorait rien de ce qu'elle faisait. L'ivresse de la fornication l'a détournée de la voix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui lui tourne le dos. Elle n'a droit ni à la miséricorde, ni à la pitié des croyants. Elle va mourir dans le déshonneur, comme elle y a vécu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ils voudraient qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ils se détournent de Dieu. Emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Tiens, je te l'ai gardé. Le Sarah sera content, il est bien mûr. Roche, tu nous donnes un melon. Merci, Attic. Assieds-toi, tu dois être fatigué. Sœur avec les enfants pour déjeuner. Ça me fait plaisir de les voir. On peut recevoir personne ici. C'est pire que la prison. Mmh.
Merci. C'est moi qui te donne du tourment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas chercher, femme? Tu es malade. Tu dois te reposer, c'est tout. Dès que j'ai l'impression de faillir à mes obligations d'épouse, mon mari ne me parle plus. Si je ne te parle pas, c'est parce que je suis laminé par cette guerre qui s'éternise, par cette misère qui gagne tout autour de nous. Je ne comprends pas pourquoi je dois m'occuper de misérables quand je ne peux même pas m'occuper de mon propre malheur. Je ne comprends pas. Si tu as la foi en Dieu, tu dois considérer le malheur que je suis devenu pour toi comme une épreuve. Moussa, tu n'es pas un malheur pour moi. Et j'ai foi en Dieu. Mon silence, ce n'est pas du rejet, c'est l'expression de mon impuissance, voilà. Et je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai l'impression d'avoir commis une faute. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux avoir un peu de paix dans ma propre maison ou est-ce trop demandé, hein? Pardon. Mais je n'ai plus personne d'autre que toi. Lorsque tu m'en veux, c'est le monde entier qui me tourne le dos. Je donnerai tout ce que j'ai pour toi. Aujourd'hui, je me suis interdit de te contrarier. Et c'est pourtant ce que je fais. Et pourquoi, hein? Pourquoi? J'ai peur, Attic. Cette fois-ci, je sens que le mal qui me ronge ne partira pas sans moi. Que t'a dit le médecin exactement sur ma situation? Encore? Hmm? Mohsen Rahmat. Où étais-tu, espèce de traître infâme? J'ai dîné seul, sans pois chiches. Les pois chiches. Pardon, j'ai oublié. Je me sentais pas très bien. J'ai marché. T'es brûlant et bizarre. Allez, allonge-toi, t'as l'air d'un mort. Allez. Zunaïra, regarde-moi. Tu me trouves changée? Attends voir. Pas trop. Fais voir, là. Ah, remarque, maintenant que tu le dis. Arrête. Dis-moi, tu me trouves différent? Mais oui, t'es différent. T'es différent des autres, Mohsen, mon cœur. Et je t'aime pour ça, et je t'ai aimé pour ça depuis la cour de la fac. Et je t'aimerai pour ça jusque dans le futur le plus lointain. Celui où on sera libre. Celui où on enseignera toi l'histoire, moi le dessin. Et où on sera immortel. Dans ce futur-là, on retrouvera une vraie maison. On écoutera de la musique trop fort. On s'embrassera dans la rue tout le temps. On rigolera avec nos copains parce qu'on aura vu un film tout pourri. On mangera des glaces avec un petit Mohsen et une petite Zunaïra. Et on fera les fous et on dansera tous parce qu'on est unique et différent. J'y crois, Mohsen. Tu m'entends, j'y crois. Ils sont propres, tes pieds? Voilà. Comme ça, je te supporte.
Il est malade, il va mourir, il faut que vous me laissiez voir le docteur, s'il vous plaît. Bouge-toi. Il est malade, il va mourir, il faut que vous me laissiez voir le docteur. Moi, s'il vous plaît, il va mourir. J'aurais besoin d'un formulaire. Suis-moi. Repassé en fin de journée. Je l'aurai examiné. Salut, Mohsen. Bonjour, mon oncle. Entre ! Entre ! Non, merci. Je voulais juste prendre des nouvelles de mon neveu. Tu sais si Zahir Ashgar est revenu ? Il me doit 10 000 afghanis. Mais Mohsen, tu sais qu'il est parti, est vraiment parti. Les 10 000 afghanis dans sa poche. Peut-être il t'enverra une carte postale s'il est vivant. Allez, viens. Viens prendre un thé, tu as l'air d'un mort. Non, merci. Porte-toi bien. Atik, mon frère, viens. Viens. Ça va? Vous avez fermé boutique plus tôt aujourd'hui. T'as plus de prisonnières chez toi? L'aile des condamnés à mort est complètement vide. On a lapidé la dernière hier matin. Mmh. La putain. C'est barbare, ces cérémonies. C'est long. Moi, je dis que c'est beaucoup mieux de les fusiller. Dis, tu en fais une de ces têtes, le garde-jour. J'ai beaucoup de soucis. Tu sais, quand on combattait les Russes, j'étais beaucoup moins anxieux. Parce que l'ennemi, on savait qui c'était. Là, je ne sais plus. Tu allais mieux parce que j'étais un bon chef. Au café plus souvent, on pourra parler comme avant. Hein? Dis, avec ton air d'être ailleurs, tu serais pas en train de nous mijoter un petit coup d'état, toi? Arrête, ne dis pas de choses comme ça, Mirza. Ici, les murs ont des oreilles. Oh, Atik, c'est moi, ton copain d'enfance, tu te souviens? Ouais, mais ça, c'était avant. Mais arrête, qu'est-ce qui a changé réellement, hein? Ce sont les mêmes armes qui circulent, les mêmes gueules qu'on exhibe. Les mêmes chiens qui aboient, les mêmes caravanes qui passent. Le sage est celui qui prend les choses comme elles viennent, il a compris. Toi aussi, tu dois comprendre. Tu n'es pas bien parce que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est tout. Allez, si tu penses que je suis encore ton ami, confie-moi un peu de ton désarroi. Hein? Mon épouse, elle est très très malade et le médecin, elle dit qu'il n'y a pas de remède à son mal. Voilà. Ah. C'est la volonté de Dieu, ça. Mirza, c'est ma femme. Quand j'étais dans le besoin, elle m'a tout donné, tout. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour l'aider, sauf moi. Sauf que moi, seul, j'y arrive pas. Répudie-la. Elle m'a sauvé la vie. Dieu seul dispose de la vie et de la mort, qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a soigné par la volonté de Dieu. Toi, t'as fait 100 fois plus pour elle. Tu l'as épousée, elle était vieille fille, sans enthousiasme et sans attrait. Elle ne signifie pas grand-chose en dehors de ce que tu représentes pour elle. Aucun homme ne doit quoi que ce soit à une femme. Le malheur du monde vient justement de ce malentendu. Chasse-la. Et offre-toi une pucelle saine et robuste. Fera des beaux enfants. Et arrête avec cette vie de misère quand tu peux la rendre tellement plus douce.
acheté par les mêmes petites combines. Il suffit de transporter des armes et un peu de drogue pour les chefs talibans. Mais c'est tranquille, ça gagne bien. Mais tu n'écoutes pas, tu fais ton malheur tout seul, Atik. Alors je ne veux plus t'entendre te plaindre. Tout ça à cause d'une femelle. Tu offenses Dieu et son prophète, voilà. Remets-nous des... Une vierge avec ma jambe comme ça. Qui voudrait d'un boiteux? Atik, un jour c'est ta jambe, l'autre jour c'est ta femme. À un moment donné, il faut que t'ailles vers le soleil, ça suffit. Mohsen Rahmat, c'est toi? Professeur Arash Bayazid, bonjour. Je suis désolé, je vous ai fait peur, mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque? Tu rigoles, plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore. À l'école coranique? Oui. Entre autres. J'aimerais t'en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse, je veux pas retourner la tête de jeunes enfants. Chut, Mohsen! Mais tu sais qu'il y a une autre école. Ah bon? Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie. Je sais pas, je... Avec Zuneira, on voudrait quitter le pays. Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes, pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants? Elle peint encore? Moi. Moi. Bien sûr. Moi. Assieds-toi. Non. Merci. J'ai examiné ta femme. Elle vit ses derniers moments. Le cancer s'est propagé très vite. Je pense qu'il reste plus qu'à attendre en lui donnant de la morphine. J'ai mis une forte dose. Elle devrait moins souffrir. Mais elle peut pas beaucoup bouger. Tu devrais la laisser à l'hôpital. Ou sinon, tu prends des patchs de morphine avec toi comme le mois dernier. Non, je préfère qu'elle reste ici. Très bien. Viens, tu vas lui annoncer la décision. J'ai décidé de rentrer avec des voisins, vous. Des voisins? Des voisins. J'ai pas pu récupérer les 10 000 afghani. Je sais pas ce qu'on va faire, on n'a plus rien. Vends le magnéto, il marche bien. Je suis sûr que tu peux en tirer un bon prix au marché noir. Je vais pas t'enlever ta musique. T'es préoccupé par l'argent ou par autre chose? Mohsen, regarde-moi. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai rencontré Arash à l'université. Il cherchait des bouquins d'histoire. Il enseigne toujours. Il m'a demandé si t'allais bien, j'ai dit que oui. Et il m'a proposé de venir enseigner avec lui, et même si toi... Mais c'est merveilleux! J'adorais nos réunions chez lui. Tu devrais accepter, c'est formidable. C'est pas seulement pour l'école coranique. Visiblement, il a mis en place un système clandestin d'éducation. Mais c'est sûrement dangereux. Mais mon amour, accepte, c'est encore mieux. C'est une aubaine, imagine, éduquer des enfants à être libres. Ils auront un merveilleux nouveau professeur qui leur enseignera la vie, l'amour et l'humanité. Un jour, ce sont eux qui nous délivreront, tu verras. Il faut vivre. J'aimerais tellement qu'on puisse aller se promener à la librairie Fariel comme avant. Main dans la main, feuilleter des bouquins. On y va? Oh. Je vais devoir encore demander son vieux Chadri à Nastaran. On ne pourra pas se donner la main. Va lui demander, s'il te plaît. C'est toi
qui dit qu'il faut lutter de l'intérieur. On voit bien que c'est pas toi qui le porte. Si tu veux, je le mets. La configuration du terrain était à peu près comme ça. Et une montagne là, une falaise là, et deux collines par ici. Alors les soviets nous encerclaient depuis 2 jours. Dès qu'on bougeait, on se faisait tirer comme des lapins. On était coincés, sans munitions, sans vivres. On pouvait même pas enterrer nos morts qui commençaient à puer. Nos morts n'ont jamais senti mauvais. Moi, je me souviens d'un obus, celui qui m'a coupé les jambes, qui a tué 14 moudjahidines. Eh bien, ils se sont jamais décomposés. On les aurait cru endormis. C'était l'hiver ? Ah non, c'était pas l'hiver, c'était l'été. C'était peut-être des saints, les moudjahidines. Bah, tous les moudjahidines sont des êtres bénis par le Seigneur et ils ne puent pas. Jamais. Hé, Atik ! Toi qui étais aussi dilute, nos morts, ils sentaient comme les autres. De toute façon, moi, je sais qu'ils ne puent pas. Tu me laisses terminer mon récit, oui? Je tenais juste à dire que nos morts ne puent pas. De toute façon, son œil, il a même pas perdu au combat, alors... J'ai tout entendu! Je suis borne, mais je suis pas sourd. T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches. Oh, ça va. Mais tu sais bien que c'est interdit. Mais t'inquiète, on voit à peine mes pieds. Oh là là, j'ai tellement soif, j'étouffe là-dessous. Attends. Hey, petite. Hey. Tiens. Hey, Tata, tu peux aller avec Samir aujourd'hui ? Non, mais chérie, c'est pas Tata. C'est juste son tchadri, elle me l'a prêté. Moi, je suis Zunaira, sa voisine. Ah, d'accord. Bon, alors, j'ai soif. Tiens, attends, je vais t'aider. Non, je te bouge pas. Mais c'est pas ma bouche, c'est mon nez. Concentre-toi. C'est n'importe quoi. Attention. Mets pas. Attends. Tu m'en fais pas. Attends, non, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop. Chut, tu vas aller à la mosquée, écouter le prêche, dis-moi là-bas, chien. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Toi, tu l'attends contre le mur, là. Et tu ôtes ça! C'est interdit, les chaussures blanches! Il n'y a aucun doute désormais! La parole juste retentit aux quatre coins du monde! Les peuples musulmans rassemblent leurs forces et leurs convictions les plus intimes! Bientôt, il n'y aura qu'une langue sur Terre, qu'une loi, qu'un seul ordre, ceci! L'Occident a péri, il n'existe plus. Le modèle qu'il proposait aux Ouïghours a failli. C'est quoi ce modèle? C'est quoi au juste ce qu'il considère? Puis de les congédier sans autre forme de procès. Ils n'auront droit ni à la miséricorde du Seigneur, ni à notre pitié, et rien ne nous empêchera d'aller sur la terre. Mmh.
les... Je leur souhaite les pires horreurs à ces monstres. Je leur en veux de provoquer tant de haine dans mon cœur, tant de désir de mort. Je suis désolée, pardonne-moi. Mais laisse-moi. Excuse-moi, on n'aurait pas dû y aller, pardon. Laisse-moi, j'ai besoin de respirer, d'être seule. Ne me repousse pas, s'il te plaît. Arrête, pousse-toi, je te dis. Ce sont tous les hommes que je hais aujourd'hui. T'es comme eux, au fond. Je suis comme eux, oui. Si tu savais à quel point, je suis abominable. J'ai jeté une pierre sur la femme lapidée hier, je sais pas pourquoi. C'est arrivé, c'est tout. Mon bras agit seul, et j'étais spectateur de cet acte ignoble. Pourras-tu me pardonner un jour ? Tu t'isoles de plus en plus. Tu es à la fois ton geôlier et ton prisonnier. Tiens, pour un fruit, Attic. Quelle ironie. Avoir survécu à 20 ans de raids aériens, d'embuscades, à des engins explosifs, à tous les combats, pour se retrouver coincé entre une prison pour condamner à mort et une femme à l'agonie. Je ne comprends rien aux femmes. Elles s'en remettent à Dieu alors qu'elles sont les premières victimes de ce régime, soi-disant guidées par le prophète. Même celles de ma famille se sont radicalisées. Elles m'ont chassé parce que je ne vais plus aux prêches. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Je vais partir. C'est décidé. Tu dis toujours ça, mais tu es encore là. Quand tu étais mollah, on t'écoutait. Mais depuis que tu te promènes avec ta brouette en parlant tout seul, on ne t'entend plus, Nazich, on ne t'entend plus. Alors tu ne crois pas que je partirai un jour de Kaboul ? Tu partiras, oui, vieux fou, tu partiras. Mais les pieds devant. Vieux fou. Qu'est-ce que tu as, mon frère ? Arrête de pleurer. Je suis un monstre. Allez, lève-toi. Tu es un homme ou pas ? Je ne suis plus rien. La femme que j'aime me rejette. En plus, c'est pour une femme. Une femme exceptionnelle. Sunera est belle, talentueuse, douce. Tais-toi. Aucun homme ne doit quoi que ce soit à une femme. C'est Dieu qui les a faites aussi, non ? Je sais que Sunera me rend meilleure. Va prier, va. Tu ne sais plus ce que tu dis.
Arrête de te cacher comme ça. C'est moi qui devrais avoir honte et me voiler le visage. Pas toi. Parle-moi. Parle-moi, hurle-moi que tu me détestes, crie-moi des insultes au visage si tu veux, mais pas ça. Pas le silence. S'il te plaît, pas le silence. Une femme n'est pas autorisée à répudier son mari, Mohsen. Mais rien ne l'oblige à lui parler. Enlève ce tchadri que je te vois. Laisse-moi une chance. Ôte cette grille, je t'en supplie. Allez, arrête de me supplier. Tu veux faire quelque chose? Va demander aux talibans de changer la charia qui m'oblige à porter cette infâme linceule! Ton visage est le seul soleil qui me reste. Aucun soleil ne résiste à la nuit. C'est absurde, enlève ça. Enlève. Enlève ça. Arrête, arrête. S'il te plaît. Arrête, Mohsen. Écoute-moi. Arrête. Laisse-moi. Calme-toi. Laisse-moi. Fidèle à ton poste, tu veux gagner une médaille? Eh ben en voilà une médaille toute fraîche, toute neuve. Ah, c'est une belle journée, mon frère. Les troupes de Massoud vont tomber dans une embuscade. Kaboul envoie du renfort, on est les rois du monde. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Kab récemment? Tu me demandes quoi exactement? S'il est toujours mort? Dernière nouvelle, oui. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? On était à son enterrement il y a plus de 2 ans. On va rester à l'ombre, parce que là-haut, ça va pas fort. Hé, hey, tu veux pas savoir ce qu'a fait ta prisonnière? Elle a tué son mari. Tu peux pas rester seul avec la prisonnière, tu le sais. Et toi, remets ton voile. Je dois réparer la pierre qui s'est déchaussée. Laisse-moi tranquille. Mmh.
Tiens, ta morphine. Viens manger, Attic. Tu as cuisiné. Je suis heureuse de te voir, de dîner avec toi. Ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui. Tu n'as pas trop souffert. J'ai pu chercher des fruits, tu vois, et j'ai réussi à ranger. J'ai du mal à manger. Ça te plaît pas? J'ai du mal à manger. Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi. Tu lui as parlé? Non. Non, je n'ai pas le droit de parler aux prisonnières, même en châtelet. Je ne peux pas les approcher, seulement les gardiennes. Ça n'aurait pas dû arriver. Pourquoi? Tu connais la charia? Non, pourquoi tu me dis ça? Oh, Corsan, tu sais où je vais trouver Kassim? Attic, approche, approche. Viens. Moi, je sais. Stop! Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois? Enfin, tu y viens. Je savais pas que tu fréquentais la maison de Mirza. C'est mon ami Attic, faites-lui plaisir. Ça va pas être facile. Non, 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 moi je ne viens jamais ici. Kassim, j'ai besoin de te parler. C'est au sujet de la prisonnière.
Un problème ? Non, 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 je veux juste savoir ce qu'elle avait fait et pourquoi elle mérite la mort. Tu viens jusqu'ici pour me demander ça ? Je t'ai dit, elle a tué son mari. Les Kazi voulaient l'exécuter sur le champ, mais finalement, ils la programment pour le grand meeting du stade dans quelques jours. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait ? Son mari, il l'a frappé trop fort ? Qu'est-ce que tu t'en fous, garde Chiourme ? Allez, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais planté là ? Tu me pourris la soirée. Excuse-moi, Kassim, Tu vois pas de tête trop ? Je vais y aller. Voir la prisonnière. Vous connaissez ceux qui habitaient ici ? La femme a tué son mari et il est en prison ! Elle a pris un avion pour Hollywood ! Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée, ta voisine ? J'ai déjà tout raconté sur Zonaïra au moment de l'arrestation. Ils se sont disputés avec son mari. C'est un couple sans problème, gentil. Et il y a eu un accident. Je veux pas d'histoire, mais la femme, elle a pris le tchadri de mon épouse. Tu sais comment on peut le récupérer ? Un accident ? C'est triste, elle est gentille, Zonaïra. Vous êtes de la famille ? Un peu, ouais. Je suis Atik Shaukat, le gardien de la prison pour les femmes. Et je crois qu'il y a eu une erreur. Une ? Vous ne vous êtes pas trompé sur la culpabilité de la femme qui a été condamnée à mort pour avoir tué son époux. Il semblerait que ce soit un accident. Ses voisins disent... Lesquels de voisins ? Les nôtres la trouvent coupable. Elle s'est accusée elle-même du crime. Allez, va-t'en. Et cesse de douter de notre verdict ou tu auras des problèmes. Tes manches.
Mais cette fois-ci, on a préféré mettre toutes les exécutions juste avant le match, sinon ils vont tous partir. N'oublie pas que le coin des dignitaires doit être parfaitement protégé du soleil. Les représentants du Pakistan sont très pointilleux, ils rigolent pas. Tout doit être parfait. Oui, oui, c'est bon. Mais Kassim ! Tu as besoin d'autre chose ? De l'eau. C'est un accident irréparable. J'ai perdu l'amour de ma vie. Qu'est-ce que t'as été foutre chez les Kazi ? Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. Il y a deux hauts dignitaires, c'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Fils de chien. Garde-toi. Tu prends ta calache, tu te poses près de la prison à vue de la porte. Attention que personne ne sorte. Je me méfie d'Atik. Si t'as un doute, tu tires. C'était l'ange de la mort. Allez, jouez ailleurs. Tu veux quoi ? Je voulais juste apporter ça à Tic. Il est fatigué. Tu es venu seul ? C'est interdit, tu sais. Comment vas-tu ? Mal. Je n'en ai plus pour longtemps. Je veux juste donner ça à Tic, me reposer un peu et repartir. Il n'est pas arrivé. Tu peux pas attendre à l'intérieur. Je peux pas marcher longtemps, s'il te plaît. Tiens, quelques fruits pour toi et ta famille. Donne. Tu sais que je devrais pas te faire entrer. Mais va, je ferme les yeux. Merci. Thank you.
vieux fou. Pardonne-moi, je suis inquiet et fatigué. Tu sais combien j'aime ta présence. Tu es le seul à qui je peux parler. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as ? T'as quoi, toi, ta femme ? Hein ? Non, c'est pas ma femme. C'est ton travail à la prison ? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors ? Et alors ? Méfie-toi, Tig. Ça rend fou de trop s'interroger. Mieux vaut s'enfuir. Viens avec moi, donc il est encore temps. Être libre. Jamais alors, Attic. Pas de parole. Excuse-moi. Kassim veut que vous alliez surveiller le mur de la cour intérieure. Il y a des mouvements curieux, il paraît. Je sais pas. Il veut que les exécutions se passent bien. Prends la porte principale, contourne pas la droite, file vers les montagnes. Va loin, va loin. Avec moi. Toi, tu as une chance de fuir ce pays de fous. Prends ton chatri, va-t'en. Mais pourquoi fais-tu ça? Ne pose pas de questions, je t'en supplie, va-t'en. Viens. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Reprends ta liberté. Ils te tueront, Sonaira. Ils te tueront. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Il faut vivre. Vivre. Il n'y a plus personne pour garder la prison. Surveillez la cour. Vous restez à votre poste. Je lui ai ouvert la porte. Elle a refusé de partir. Tu l'aurais laissée partir. Sans partir avec elle. Yeah.
bien, ça se prépare bien, là. Tu connais la condamnée? Pas besoin, mon frère, c'est toutes les mêmes. Y a du monde demain? Ouais, je pense qu'on va avoir de belles exécutions. Elles sont pas grillées, tes brochettes. Que veux-tu faire, mon ami? Que veux-tu faire? Et toi, tu es encore là? Je suis vieux. Je suis fatigué. J'essaie de faire ce qui est juste. Si je partais, ça changerait quoi? J'aime cette terre, j'aime ce peuple. Et je me dis qu'il faut peut-être mieux lutter pour sauver les jeunes. Chez toi. Cette nuit, c'est moi qui garde la prison. Allez, rentre. صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. C'est moi, Atik. Qu'est-ce que tu fais là, Moussarat? Un miracle s'est produit, Atik. J'ai vu les larmes couler de tes yeux. Je me suis dit, si ce que j'ai vu est vrai, ce qu'est rien n'est tout à fait perdu. Toi, pleurer? Même quand j'ai retiré les éclats d'obus de tes chairs, je n'ai pas réussi à t'arracher un cri. Longtemps, je m'étais faite à l'idée que ton cœur s'était fossilisé, que plus rien ne pourrait faire frémir ton âme ou te faire rêver. La guerre est une monstruosité, et ses enfants ont de qui tenir. Et cette nuit, je vois de mes propres yeux l'homme que je croyais irrécupérable se prendre la tête entre les mains et pleurer. C'est la preuve qu'une lueur d'humanité subsiste encore. Je suis venue souffler dessus jusqu'à ce qu'il devienne plus vaste que le jour. Je n'ai pas su donner un sens à ta vie. Lorsque tu me prenais, tes bras cherchaient quelqu'un qu'ils n'ont jamais trouvé. Je n'étais que l'infirmière qui t'avait soignée et mise à l'abri et que tu as épousée en signe de gratitude. Maintenant que je vois les larmes jaillir de tes yeux, je vois le ciel s'ouvrir sur ce qu'il a de plus beau. Je me dis que la femme qui est capable d'un tel bouleversement ne doit pas mourir. Il est trop tard. Tu dis n'importe quoi. Ils vont arriver. Oh.
Va chercher ce crétin d'Aslam, il doit dormir quelque part dans un trou. C'est l'heure. Allez, viens. Il est où, Aslam? Celle-là, tu vas l'accompagner. Je ne peux pas aller à l'exécution, Kassim. Je dois accompagner Moussarat. Je t'en prie. Ne discute pas mes ordres, c'est compris? Moussarat vient dans le minibus avec mes femmes. Fin de la discussion. Tu vas la chercher. Moussarat. Allez. Il est nulle part. Quel âne batté cet Aslam, je le ferai fouetter jusqu'au sang. Thank you.
t'ai trompé. C'est toi qui es parti le premier. Bonjour, professeur. Entre. Vakti barat nakhod khodo pusht ham yad dard o bala pish qudratesh chun o chera foyde nadare. Thank you.